On se retrouve aujourd'hui pour le 13e épisode de Clash of Clans. Donc, voilà. Normalement, il y a eu assez de vidéos pour toute la semaine. Enfin, voilà. Moi, ça fait... perso, ça fait une semaine que j'ai pas touché à un jeu, que ce soit Clash. Enfin, si Clash, j'ai quand même un peu touché parce que pendant les vacances, j'ai quand même un petit peu joué. D'ailleurs, vous pouvez le voir, j'ai totalement refait le village. Donc, bon, voilà, rien d'exceptionnel. J'ai amélioré normalement toutes. Ouais, non, pas toutes, il y a celle-là. J'ai amélioré presque toutes les mines d'or et réservoirs d'élixir. J'ai également passé tous les murs niveau 3 et bah voilà, HDV3, je peux pas les passer 4, donc voilà. J'ai pas mal bossé, j'ai quasiment enlevé tout. Hop. Zou. J'ai enlevé presque tous les obstacles. Et j'ai un coffre de gemmes que j'attendais, je vous attendais pour le récolter. Donc vous voyez, je suis pas en manque de ressources, il y a tout ce qu'il faut. Une gemme, yes. À propos de ces 10 attaques, bon bah voilà, le succès en plus. Là ça rentre, ça rentre. Je suis également passé bronze 1. Donc voilà. C'était juste la petite info. Hop. Donc, pense que je vais partir chercher les attaques et que je vous retrouve après. Allez, bye tout le monde. Enfin, à tout à l'heure. Bon, finalement, en fait, je trouvais pas d'attaque. Ça commence à m'énerver un petit peu. Et de toute façon, bah voilà, on est full, franchement. Si on a besoin d'or, il en reste dans les mines. Regardez-moi ça, info. Voilà, celle-là est encore quasiment pleine. L'élixir, bon voilà, elle est à mi-pleine. Y a pas besoin d'attaquer, je pense pas. En tout cas, oh, ça revient toujours, ça. Bon, en même temps, des fois, ça nous fait des gemmes, c'est pas si mal. Alors, donc, aujourd'hui, parce que j'ai réfléchi un petit peu à ce que l'on allait améliorer aujourd'hui. Et, ah oui, aussi, je suis niveau 14. J'ai pas mal avancé depuis la dernière fois, parce que... Les attaques pour les murs, plus l'expérience pour les mines et les extracteurs, c'est sûr, ça rapporte un peu. Donc aujourd'hui, on va poser de nouveaux bâtiments. On va poser le mortier. Paf. Le mortier que je vais mettre là, au milieu. Voilà, il va être très bien. Et le laboratoire, il me semble. Si je me souviens bien, j'avais décidé... Non, c'est vrai, le laboratoire, je ne peux pas. De toute façon, il reste que ça. Il reste que le laboratoire à poser. Ce que je vais faire, c'est que je vais reconstruire le château clan. Bâtisseur d'empire. Bon, nickel. Paf. 20... Non, 5 gemmes en plus. Oh, c'est déjà ça. Oula, Clash qui a bugué un petit peu. Tiens, succès déverrouillé, bah, normal. Donc le château de clan est là. Du coup, je pensais que fallait qu'on voilà qu'il y avait un temps, donc que ça j'allais mettre ça à faire pour pendant l'épisode. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais améliorer ça. Hop, comme ça, les deux. Motherfuck de la police. Y a pas de respect, le respect est mort et putain je suis encore full, c'est pas possible. Donc voilà, aujourd'hui on aura placé le mortier, ce qui est quand même pas mal parce que vous allez voir que le mortier, si vous connaissez pas, c'est énorme, ça sauve des vies. Enfin c'est bien casse-couille à mon niveau en tout cas. On a amélioré également réservoir, là normalement on devrait avoir de la place. J'ai amélioré le dernier là, dernier extracteur d'élixir entre temps. Voilà. C'est déjà pas mal, on a déjà amélioré pas mal de choses. Donc je vais vous laisser là. Oui. Oui, parce que du coup, avec les deux, du coup, on va avoir de la place. Et on va enfin pouvoir placer ce laboratoire. Parce que le laboratoire, ça devient indispensable. Les troupes sont plus assez fortes pour détruire les villages. Là, je galère. J'ai du mal à attaquer, donc ça va faire du bien.
Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu et rendez-vous dans 2 jours pour la suite. Allez, bye tout le monde!